a longtemps regardé les anjous blancs à travers les moelleux et liquoreux, dont les coteaux du Layon, coteaux de l'Aubance, Bonzo et autres quarts de chaume étaient les étendards. Des appellations qui, historiquement, permettaient pourtant de produire des blancs secs. À la croisée des chemins, ce vignoble renoue aujourd'hui avec son histoire, précisément à travers ses blancs secs et son cépage emblématique, le chenin. Vous voulez en savoir plus? Suivez tous nos reportages sur Mediavino et Mediavino Pro durant tout le mois de juin.